Le Bénin, l'ancien Dahomey, reste et demeure un vivier de patrimoine culturel. Cet héritage a subi de nos jours des pressions et influences exogènes qu'endogènes. Ces pressions ont pour conséquence la dégradation de l'héritage, son oubli, voire sa disparition. Alors, le jeune Béninois connaît-il réellement son patrimoine culinaire? Connaissez-vous le plat qu'on appelle Adowé? Oui, ça je connais. Oui, je connais le Adowé. Oui, je connais Adowé. Oui, je connais bien Adowé. Adowé, ça fait partie de mes mets. La pâte Adowé est un plat originaire du Mono au sud-ouest du Bénin. Elle est beaucoup consommée par les peuples Kweda et Agouda. Adowé, là, c'est toujours à base de haricots, bien moulus. Vous le préparez au feu, ça forme la pâte. Adowé, je crois que c'est une purée d'haricots. Qui se fait avec de la friture et qu'on mange avec du pain. C'est le purée d'haricots. On enlève la peau et on fait comme sous forme de purée et on prend. C'est ça qu'on appelle adoré. C'est aussi un mets appétissant. Et ça, c'est du adoré. Vous pouvez manger avec du gari sokui, hein, ou avec du pain. C'est ça. En plus du adowé, il y a de friture. Oh, c'est bien. Je souhaite pareil que cadre. Tonton Razak, tout à l'heure, après la dégustation, vous allez nous montrer et montrer à mes amis comment est-ce qu'on prépare du adowé pour que eux-mêmes puissent commencer à mettre du adowé dans leur plat quotidien. Très volontiers. Le adowé, c'est quoi? Adowé, c'est d'abord et avant tout du haricot. Notre haricot blanc là, qu'on épulse, c'est-à-dire on verse dans l'eau, quelques minutes après, on essaie de frotter juste pour enlever la peau et le gerbe, le truc noir qui est sur la tombe. Du coup, on a du blanc. Et c'est ce blanc là qu'on prépare, à la différence de la bobo que nous connaissons, qui se prépare avec haricot plus eau, c'est le lait de coco qui joue le rôle de l'eau. Et comme ça, lorsque ça commence par bouillir, c'est tout le quartier qui sent qu'on est en train de préparer quelque chose. Il y a un travail préalable parce que nous avons pris du coco qu'on a râpé. C'est là la partie la plus compliquée dans la préparation du adowé. On râpe le coco, on verse dans l'eau et après on a extrait le lait et c'est ce lait-là qui joue le rôle que l'eau devrait jouer pour la cuisson. Le haricot, lorsqu'on met au feu, quelques instants après, ça avale tout ce qui est eau et ça demande que l'on mette suffisamment. Donc, du coup, quand tu évalues la quantité de haricot que tu as mis, tu mets de l'eau en conséquence. Ok. Alors, montrez-nous les différents ingrédients et comment le mélange se fait pour avoir le plat final. Le plat fini, c'est simple. L'étape haricot, l'étape coco râpé,
Maintenant, nous avons des épices. Quelles sont les épices? Ici, c'est du gingembre. Et là, de l'oignon. Écrasé. L'oignon écrasé. Sel, naturellement. Un bout de piment. Et ça, c'est de l'ail. Maintenant, chers amis, suivez avec moi comment se fait le mélange pour avoir le plat de Adoé. C'est tout, sauf le sel que je n'ai pas encore mis. Poivron. C'est tout mis, sauf le sel. Je ne mets pas le sel, tout simplement, parce que c'est ça qui doit venir en toute dernière position. Comme ça. Et là, on laisse bouillir 5 minutes. On a déjà mis les ingrédients, les épices. Après 5 minutes, prêt à manger. Vous avez dit que le adoé se prépare à base de lait de coco. Aujourd'hui, on n'a plus tellement de cocotiers même. Ou sur nos marchés, c'est difficile de rencontrer le coco mûr. Est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un choisisse de ne pas utiliser le lait de coco? Oui, et c'est d'ailleurs ce que nous remarquons un peu partout aujourd'hui. La plupart de ceux qui vendent adoé n'utilisent plus le lait de coco. Parce que ce n'est pas aisé d'avoir d'abord le coco. Et l'autre chose, ce n'est pas aisé de râper le coco. Et aujourd'hui, on a du adoé à la manière béninoise. Puisque adoé, au départ, n'était pas un mets béninois. C'est un mets importé. C'est un mets brésilien. Ah donc, c'est un mets brésilien. Oui, c'est un mets brésilien. Puisque dans l'histoire, à un moment donné, les Brésiliens ont pris part ici. Dans le cadre du commerce triangulaire. Et c'est les Brésiliens qui ont amené le adoé. C'est eux qui préparent le adoé parce qu'ils ont remarqué que au Bénin, comme chez eux, il y a du coco et il y a du haricot. Donc, ils font le mélange. Et ça fait que aujourd'hui, même pour quelqu'un qui connaissait adoé, qui aujourd'hui goûte adoé, il sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà, chers amis, comment est-ce qu'on prépare du adoé? Il n'est pas du tout difficile de préparer du adoé selon votre volonté. Si vous ne voulez pas du lait de coco, vous pouvez utiliser simplement de l'eau pour préparer votre haricot. Parce que le adoé, c'est à base du haricot. Et il faut y ajouter les épices que vous souhaitez. Bonjour Madame Soussou. Oui, bonjour Monsieur Le Kounou. Mes amis et moi avions consommé un plat adoé et nous voudrions connaître les valeurs nutritives, les valeurs, la richesse de ce plat. Le adoé est un plat essentiellement fait à base de haricots, très énergétique en effet, mais un plat essentiellement protéique. Donc, ce plat apporte beaucoup de protéines à l'organisme. Les protéines qui sont des substances indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, car ces substances participent au renouvellement des cellules, ce qui est vraiment recherché lors de la cicatrisation des plaies. Les protéines participent également à la croissance des individus. Et les habitudes de consommation montre que en dehors du niébé qui est utilisé dans la préparation, il n'y a pas d'autres ingrédients, d'autres produits céréaliers ou tubercules qui sont ajoutés. Donc, le adoé apporte beaucoup plus des substances protéiques à l'organisme. En lui seul, il ne constitue pas un plat équilibré. Donc, le adoé peut être consommé avec du gari ou avec une tranche de pain. Mais entre la tranche de pain et le gari, il est préférable de consommer le pain parce que le pain est un produit à base de blé, le blé étant une céréale. Et il y a une bonne complémentarité entre les légumineuses et les céréales plutôt qu'entre les légumineuses et les tubercules.
et les légumineuses contiennent des vitamines, des acides aminés, mais ne contiennent pas tous les types d'acides aminés dont l'organisme a besoin. Et les autres acides aminés essentiels nécessaires sont retrouvés dans les céréales. Et le pain étant un aliment fait à base de blé, le blé qui est une céréale. Donc il est préférable de prendre le adoué avec le pain plutôt qu'avec le gari. En fonction des valeurs, de cette valeur dont vous nous parlez, quelles sont les personnes qui sont indiquées à consommer ce plat? Toutes les personnes sont indiquées à consommer ce plat parce que c'est un aliment très riche en protéines. Et tous les êtres humains ont besoin de protéines pour leur croissance, pour le bon fonctionnement de leur organisme. Les protéines permettent également le renouvellement des cellules, ce mécanisme étant très important lors de la cicatrisation des plaies, par exemple. Les enfants, les adolescents ont besoin de grandir. Donc, ils peuvent tous consommer le adoué, toutes les tranches d'âge, à partir de 10 mois, parce qu'il est en purée. Donc, même les nourrissons de 10 mois peuvent le consommer. Avez-vous une idée sur l'origine de adoué? Le adoué est beaucoup plus un plat des populations Minan. Donc, par population Minan, ça peut être les gens du Mono, du Koufo ou les Togolais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans Cotonou, ceux qui savent bien faire le adoué, ce sont les femmes qui parlent le Minan et très souvent les Togolaises. Ce projet est une occasion de fixation de nos connaissances traditionnelles, de nos valeurs ancestrales et patrimoine culturel au profit des générations présentes et futures.